marcher. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Non, j'ai pas entendu sonner. Non, parce que tu sais qu'il s'entend. Monsieur, monsieur, à quoi servent ces boules, s'il vous plaît? C'est justement, c'est le sujet de jour. Nous avons chacun deux boules. Et puis, il y a aussi un cochonnet. Ah, oui. Oui, ben alors, si tu perds le cochonnet, t'es pas dans la merde. Parce que à quoi ça sert d'avoir les moules si t'as pas le cochonnet? À quoi ça sert d'avoir la frite si t'as pas les moules? Ah bah oui, alors. Bon, bah Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit, je peux pas dormir, je suis des conneries. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Et faites voir les boules comme elles sont jolies. Oh là là. Elles sont belles. Moi j'ai acheté des nouvelles boules, monsieur. Ah pardon, excusez-moi, oui. C'est des boules qui est, mais alors le problème c'est que ça rend un peu sourd. Quoi. Ah bon. Sinon. Et comment s'appelle ce jeu? Ça dure. Et pourquoi appelle-t-on ce jeu la pétanque? Ça vient de piétanque, cher monsieur, inventé à la Ciotat, dans ce même lieu. Parfaitement. Piétanque, c'est parce qu'il y avait un mec qui était un peu gogol, il ne pouvait pas, disons carrément handicapé. Et alors, comme il ne pouvait pas jouer, prendre son élan, on a dit on joue sans bouger les pieds, tanker les pieds. Ah, tanker les pieds, oui. Alors tanker, ce qui n'a rien à voir avec les tankistes. Ah, bah c'est, que sont les tankistes? Ah, bah c'est des chars d'assaut, les tanks. Ah, les tanks. Les Panzers. Non mais... Et oui, monsieur, vous avez quelque chose... Non, mais je me demandais pourquoi il y a une différence entre la Ciotat, parce que peut-être qu'ils sont un peu plus fatigués, parce qu'ils restent en place, alors qu'à la Lyonnaise, on prend son élan, on joue, enfin, il y a vachement... Oui, mais la Lyonnaise, on peut pas tout jouer à ça, cher monsieur. Si on a un peu d'embonpoint, si on a un peu trop... Ah non, justement, tiens, regarde, toi, le mec, il apprend l'élan et il joue à la Lyonnaise. Un jeune, il est tout maigre. Il est tout maigre. Bon... On a la Ciotat cherche toujours à se distinguer, il faut toujours faire la première. Par exemple, le premier film, la première partie de pétanque. Maintenant, il y a la première plage non-fumeur, il y a la première plage pour chiens, et il y a le premier casino en plein air. Ouais. Allez photographier la plaque là-bas, qui nous raconte l'histoire de la pétanque. Ce qui est très important, c'est les chaussures. Pourquoi les chaussures blanches, pantalon classe, chemise blanche, chemise un peu fantaisie. Et cet appareil, quoi sert-il, cher monsieur? Quel appareil? Le collier que vous avez là. C'est pas un collier, monsieur, c'est un aimant. Un aimant? Voilà. Ah oui! Et pourquoi ça sert, ça? Ben, pour ramasser les boules, monsieur. Allez, Bartholomew, vas-y. Allez. Ah oui, c'est plus pratique avec ça, en effet, oui. Par contre, le cochon, on peut pas. On peut pas. Ah, petit cochon. Tous les deux, oui. Il va foutre ça sur Internet après, sur YouTube et tout. Non, tu vas pas faire ça. Si. Mais en privé, en privé, en privé. Non, ça sur YouTube. Vas-y. Quoi? Tu reproches que je mette ça sur YouTube? Oui, oui. Tu vois comment il est? Mais c'est en non répertorié. Seuls ceux qui ont le lien peuvent le voir. Et vous avez vu que Mireille Darc est décédée? Ouais.